Bienvenue aux séries de webinaires, au webinaire sur le travail avec les membres de la communauté et les travailleurs communautaires dans les services sociaux. Ce webinaire a été co-organisé par deux groupes, le Social Service Workforce Strengthening Task Force, c'est la Task Force sur le renforcement de la main-d'œuvre des services sociaux, qui est une task force mondiale sur la question du renforcement des travailleurs dans les services sociaux, facilité en ce moment par l'USAID, et le Community Child Protection Exchange Forum, le forum d'échange pour la protection de l'enfance à base communautaire. Et pour le Social Service Workforce Strengthening Task Force, ça c'est le quatrième webinaire qu'ils ont organisé. Et pour le Community Child Protection Exchange Forum, ça fait le deuxième webinaire. Et vous verrez les adresses et les contacts de tous ces deux groupes à la fin du webinaire. On va sauter ces questions pour aller directement au programme. Le programme que nous verrons aujourd'hui, on commence par une petite allocution de la part de Beverly Nyberg du Bureau de la Santé mondiale et du VIH du Corps de la Paix. Après cela, on aura trois présentations. Et aujourd'hui, notre thématique et notre thème, c'est vraiment les travailleurs communautaires et les membres de la communauté. Comment est-ce qu'on doit les approcher? Qu'est-ce qu'on doit faire avec eux? Et comment est-ce qu'on peut s'assurer que leur travail, en ce qui concerne les services sociaux, est bien fait? Et toutes les questions de rémunération, de redevabilité, de supervision, reviendront dans notre discussion. La première des trois présentations sera faite par Maurice Middleburg, qui est le directeur de projet de Capacity Plus, un projet qui est connu mondialement pour ses avancées dans le travail avec les agents de santé communautaire. Ce secteur de la santé travaille depuis longtemps avec les agents communautaires et les membres de la communauté pour arriver à ses buts. Donc, nous avons pensé à inviter quelqu'un avec beaucoup d'expertise dans le domaine de la santé de nous partager les leçons apprises de ce secteur. Après cela, nous aurons deux présentations d'expérience de terrain. La première présentation de IRC Haïti et leur travail de protection de l'enfant à base communautaire et avec plusieurs couches de travailleurs et des membres de la communauté avec lesquels ils travaillent, qui seront tous décrits. Et finalement, une présentation d'un projet de renforcement des capacités pour les soins et soutien aux orphelins et enfants vulnérables dans cette région de la Côte d'Ivoire. Et cette présentation sera faite par William Choukouma, le coordonnateur adjoint du programme OEV. On fera une discussion de 10 à 15 minutes sur une question que nous vous lancerons vers la fin. Et on finira avec un petit mot de clôture et quelques événements qui s'approchent et qui sont en lien avec le thème de notre webinaire aujourd'hui. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours les saisir dans la fenêtre de chat. Voilà, un petit rappel que vous devrez vous sentir libre d'écrire des questions ou des commentaires dans la fenêtre de chat pendant toute la session d'aujourd'hui. Et deuxièmement, que nous ferons de notre mieux pour répondre à ces questions après les présentations de tout un chacun. Et avec cela, je passe la parole à Beverly Nyberg, qui est du Bureau de la Santé mondiale et du VIH du Corps de la Paix. Beverly, merci beaucoup d'être venue aujourd'hui. Et vous pouvez cliquer sur l'icône du micro
pour faire l'allocution d'ouverture de ce webinaire. OK. Est-ce que tout le monde peut m'écouter? OK. Bon, je vois le smiley face. C'est bien. OK. Je veux tout simplement vous souhaiter bienvenue à ce webinaire. Nous sommes très contents d'avoir le privilège de host ce webinaire pour le PEPFAR. Et je pense que la réponse qui est vraiment extraordinaire, l'intérêt dans ce sujet, c'est formidable. Et je suis très contente que nous avons deux pays qui peuvent parler concernant leur programme et le projet dans chaque pays. Et bon, c'est tout, Marc. Merci. C'est simplement pour dire bonjour et merci à tout le monde pour être pour faire partie de cet webinaire. Merci. OK, merci beaucoup, Beverly. Avec cela, je pense qu'on va passer à la première présentation de Maurice Middleburg, qui est le directeur de projet de Capacity Plus, avec une très longue et riche expérience avec les agents de santé communautaire et une présentation très riche sur les leçons apprises au cours des dernières décennies. Merci beaucoup d'être venu, Maurice, et je vous passe la parole. Merci Marc pour cette gentille introduction et salutations amicales à tous nos collègues et amis. Je vous salue des Indes où je suis en ce moment. Donc comme il a dit Marc, l'objectif de cette petite présentation, c'est de partager certaines leçons apprises et leurs implications pour les agents de santé communautaire dans le secteur social. Et nous espérons que vous trouverez ces leçons intéressantes et pertinentes pour les agents de santé du secteur social. Alors, un peu du contexte, il faut dire que les programmes à la base communautaire dans le secteur sanitaire ne sont pas du tout nouveaux. Ils datent depuis les 1960, donc on a peut-être 45 ans d'expérience dans ce domaine, et il y a eu une énorme recherche sur ce sujet. Et pour capter les leçons apprises de cette recherche et de l'expérience pratique, le Global Health Workforce Alliance, c'est-à-dire l'Alliance mondiale des personnels de santé, a entrepris une revue de cette littérature, c'est-à-dire la littérature qui est grise et blanche, pour avoir vraiment une vue compréhensive de ce qu'on connaît sur ce sujet. Le Capacity Plus s'est servi de cette recherche qui était menée par l'Alliance mondiale des personnels de santé, ainsi que son propre expérience du staff, pour voir ce qui est peut-être transférable au secteur social. En général, nous pensons que ces leçons apprises du secteur sanitaire sont importantes et pertinentes pour le secteur social. Et nous espérons que ce qu'on a trouvé peut aider à guider l'intégration et la régulation des agents de base communautaire dans le secteur social. Voici, pour ceux qui s'intéressent, la citation qui était du document qui était publié par l'Alliance. Vous n'avez pas besoin d'essayer d'écrire tout ça, parce que, comme il a bien expliqué Marc, toutes les présentations ainsi que les discours seront à votre disposition à la suite de ce webinaire. Bon, voilà un peu l'optique globale que je vais essayer de mieux expliquer au fur et à mesure de cette présentation. Tout d'abord, il faut dire que les agents de base communautaire dans le secteur sanitaire ont joué un rôle très très important pour délivrer des services essentiels de santé. Ils ont fait une contribution très importante
à l'achèvement de l'amélioration des conditions sanitaires. Et ça, ceci comprend le progrès qui a été réalisé jusqu'à présent par rapport aux objectifs du millénaire pour le développement. Mais ceci dit, les agents sanitaires à la base communautaire ne sont pas un panacée. Ce n'est pas un programme facile et ils ne sont pas de bon marché. Si ces programmes ne sont pas bien planifiés et bien gérés, ils peuvent facilement faire faillite. Donc, il faut les mener comme il faut. Et nous trouvons qu'il y a 5 facteurs clés qui contribue à l'efficacité à ces agents de santé communautaire et je vais m'axer sur ces 5 facteurs. Bon, voilà, les voilà en bref. Le premier, c'est le soutien des leaders du pays et l'environnement politique, d'éclaircir les éléments du rôle du agent communautaire, l'engagement de la communauté, la gestion des agents et l'intégration des agents communautaires dans les équipes sanitaires. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est de prendre chacun de ces 5 facteurs clés et expliquer ce qu'on a trouvé selon la recherche qui est disponible. Bon, tout d'abord, ce qui est absolument essentiel, c'est que les programmes communautaires ont l'appui fort, vif et public des leaders du pays. Ceci légitimise le programme et rend clair à la bureaucratie que le programme est une priorité et que les résultats sont attendus par les leaders. Il faut qu'il y ait des lois et des règles qui sont claires, qui sont basées sur l'évidence, qui clarifient le rôle, les responsabilités, l'utilisation et la gestion des agents communautaires. Le programme des agents communautaires doit faire part intégrale du système sanitaire et les agents doivent être considérés comme membres respectés de l'équipe de santé primaire. Les agents communautaires ne peuvent pas être traités comme des agents à part ou différents du reste de l'équipe sanitaire. En plus, il faut que les agents sanitaires, le programme communautaire, soit vraiment pris en charge, c'est-à-dire que c'est vraiment approprié et guidé par les communautés où ils servent. Les leaders de ces communautés, c'est essentiel qu'ils ont un rôle important pour guider le travail des agents communautaires. Maintenant, quels sont les rôles, les éléments clés d'éclaircir le rôle des agents communautaires? Il faut que le rôle et ce qui est attendu des agents communautaires soient clairs et raisonnables. Les agents doivent être des communautés où ils vont servir et choisis par les communautés utilisant un processus transparent. C'est très important en déterminant si l'agent sera accepté par la communauté. Il faut que les agents aient des descriptions des tâches ou de travail très claires comme tous les autres membres de l'équipe sanitaire. Quand il y a des attentes qui ne sont pas claires ou mal définies, ça amène à la faillite du programme. La littérature qu'on a mise en revue suggère une typologie des programmes communautaires selon leurs responsabilités. C'est-à-dire, est-ce que c'est un agent qui mène un programme surtout sur la nutrition, sur la mortalité ou sur la santé maternelle et néonatale, la santé enfantile, le paludisme, le tuberculose, ou un programme intégré. Et il y a différents attentes et formations et gestion selon le type d'agent communautaire. En plus d'être clair avec les tâches qui sont attendues, c'est très important
qu'il n'y a pas trop de tâches qui sont mises sur les épaules des agents communautaires. Il y a toujours la tentation d'ajouter des tâches aux agents communautaires. Si trop de tâches sont incluses, le résultat, c'est que le fardeau sur les agents communautaires est trop lourd et en fin de compte, ils se décident quelles tâches ils vont prendre et quelles ils vont ignorer. Et voilà, et prochainement, un point que je sais est un peu controversial, mais notre recherche indique qu'il faut que les agents communautaires reçoivent un salaire ou autre rémunération, ainsi que des opportunités pour avancement dans le système si on veut soutenir le programme. Il n'y a pas d'évidence que utilisant des volontaires est soutenable à long terme. En plus, on a trouvé que les programmes volontaires ont une attrition très haute et c'est souvent lié à une exploitation des communautés pauvres, particulièrement chez les femmes. L'utilisation des volontaires à part temps qui reçoivent le revenu des communautés mêmes, normalement, mène aussi une attrition assez élevée et la demande pour leurs services est plus large que leur disponibilité. Malgré le fait que la communauté doit être impliquée dans la sélection et le soutien des agents et de leurs services, ce ne doit pas être sur le fardeau des communautés de financer les agents communautaires. Cette approche est rarement un succès et l'évidence indique que le financement au niveau communautaire est généralement très difficile. C'est très cher et la raison principale pour laquelle il faut garder ces agents à long terme, c'est qu'il est très cher de répondre à une attrition élevée. En plus, l'efficacité des agents dépend sur leur rétention. Et le plus qu'ils sont expérimentés, le plus qu'ils sont efficaces. Un autre facteur clé, c'est d'encourager les communautés de s'impliquer vivement dans le programme des agents communautaires. Ils doivent vraiment faire part intégrale des besoins de la communauté. Et ceci peut être achevé utilisant des techniques participatives où la communauté, l'agent sanitaire et les membres de l'équipe sanitaire se réunissent utilisant ces techniques pour s'assurer que les services offerts répondent aux besoins de la communauté. Comme indiqué au préalable, les communautés doivent être impliquées dans la sélection des agents parmi leurs membres et restent impliquées dans la gestion du programme, peut-être une structure comme une comité de santé communautaire. En plus, il est important que la communauté reconnaisse, utilisant du feedback positif et des symboles d'appréciation de la communauté pour soutenir la motivation des agents communautaires. Le titre là n'est pas tout à fait correct, ça doit dire la gestion des agents de santé communautaire. Et cet aspect de la propre gestion des agents est très clé au succès des programmes. Le programme de la base communautaire doit être intégré dans la planification à tous les niveaux, du niveau national jusqu'au niveau local. Il faut établir un respect, une confiance entre les professionnels de santé et les agents communautaires, parce que ceci résulte en une collaboration et une efficacité accrue. Pour achever cette collaboration, il est parfois nécessaire de faire une sensibilisation ou une formation des professionnels de santé pour redresser des malperceptions des agents communautaires,
qui est parfois traité comme des assistants de très bas niveau et ne sont pas traités avec le respect qui doit être présent. Et aussi d'éviter des mécompréhensions concernant leur rôle dans la promotion de la santé dans la communauté. Ce qui est très important, pour un ingrédient très important pour dans la gestion des agents communautaires, c'est l'utilisation de supervision formative ou supervision supportive. Ceci est simplement un faible composant des programmes communautaires. La supervision doit être considérée comme une responsabilité partagée entre les leaders de la communauté et les professionnels dans l'équipe sanitaire pour s'assurer que les services répondent aux besoins de la communauté et bénéficient de l'appui technique des agents, des personnels professionnels. Comme j'ai bien indiqué avant, il faut absolument que l'agent sanitaire soit tout à fait intégré dans l'équipe de soins de santé primaire. Ils doivent être considérés vraiment un membre intégré de cette équipe et avec chaque membre de l'équipe ayant des responsabilités claires. Par exemple, une équipe de santé primaire pourrait consister d'un médecin, une infirmière, un éducateur en santé et un ou plusieurs agents communautaires. L'équipe a des plans partagés avec le rôle de l'agent communautaire, c'est d'aider l'équipe entière de achever ses objectifs. Donc, il faut impliquer l'agent communautaire dans la planification et le monitoring du progrès. L'agent communautaire a un rôle autonome et important, mais en tant que membre de l'équipe. Maintenant, voilà un peu l'exposé de ce qu'on connaît, ce qu'on a appris jusqu'à présent, mais il y a des questions, il y a des défis et des questions difficiles qui restent néanmoins. Par exemple, quelle est la modalité la plus efficace pour faire le plaidoyer par rapport au leader national pour s'assurer que ce programme aura l'appui des leaders? Quel est, dans chaque contexte, quel est le niveau de revenus qu'il faut mettre à la disposition des agents communautaires pour les retenir et où c'est que les pays vont trouver cet argent? Quelle est la relation propre entre le secteur formel et le secteur informel? Quelle est l'équipe dans le secteur social qui fait le parallèle de l'équipe primaire en santé? À fur et à mesure, nous espérons de gagner d'expérience supplémentaire et de tirer des leçons apprises qui peuvent nous aider à adresser ces questions très importantes. Ceci conclut cette petite présentation et je vous remercie de votre gentille attention. Merci beaucoup, Maurice. C'est très intéressant avec beaucoup de points pour réflexion. Et nous avons déjà trois questions dans la fenêtre de chat et je vais vous les reposer une à une. La première question vient de l'équipe du Cameroun. Est-ce qu'on doit avoir un agent communautaire par secteur, c'est-à-dire un agent communautaire pour la santé, un agent communautaire pour la protection, un agent communautaire pour l'éducation, ainsi de suite? Donc, c'est une question sur, je crois, les relations entre les secteurs, les limites de ce qui est possible avec une seule personne et si vous avez des connaissances sur cette problématique. Deuxièmement, Brema de l'UNICEF Niger a posé la question, est-ce que la non-atteinte de l'objectif mondial Santé pour tous serait imputable ou dû au fait qu'il n'a pas été accordé une attention particulière au volet communautaire?
Et la question, je crois, est vraiment peut nous corriger dans la fenêtre de chat, c'est est-ce qu'on trouve qu'il y a de l'attention particulière? Est-ce que vraiment les gens accordent une certaine importance à ces agents de santé communautaire ou bien est-ce que c'est toujours non priorisé? Et finalement, de la part de Djenabou, de PEPFAR Côte d'Ivoire, est-ce qu'il y a une recommandation claire sur le niveau de rémunération des agents de santé communautaire? Et est-ce que vous avez des expériences sur comment utiliser les personnes vivant avec le VIH comme agents de santé communautaire? Je vous repasse la parole et les questions se trouvent toujours dans la boîte de chat, mais je peux vous les envoyer à tout moment aussi. À vous. Merci Marc et merci pour ces questions très importantes et pertinentes. Bon, en ce qui concerne la question s'il est nécessaire d'avoir des agents différents pour chaque secteur, à mon avis, c'est plutôt une question du fardeau des tâches qui est posé sur l'agent communautaire. Je ne vois pas de raison, par exemple, où un agent peut avoir certaines tâches sanitaires et certaines tâches sociales. Si le total de ces tâches n'est pas plus que l'agent peut actualiser. C'est ça l'essentiel. Est-ce qu'on demande trop de l'agent communautaire? Et tout ça dépend vraiment du contexte, du programme qu'on veut mener, quels sont les objectifs. Mais je suggère que c'est vraiment pas tellement une question des secteurs, que plutôt c'est une question de nombre et la difficulté des tâches qui sont imposées sur l'agent communautaire. Maintenant, pour ce qui était posé par le monsieur du Niger, un pays où j'ai vécu pendant un nombre d'années, oui, je dirais bien que le fait qu'on n'a pas vraiment accès suffisamment sur le volet communautaire a vraiment contribué à certaines faillites dans les programmes de santé. On a pensé qu'on pouvait trouver des gens qui sont déjà très, très pauvres, qu'il faut qu'ils travaillent très dur, et maintenant on leur demande de prendre des responsabilités importantes et de faire sans compensation. Et bon, on a trouvé, si on réfléchit sur cette question, je crois que la réponse se trouve même dans la question. Il faut éviter une répétition de cette erreur qui était faite pendant qu'on est en train d'établir les programmes dans le secteur social. Maintenant, en ce qui concerne notre ami du Côte d'Ivoire, est-ce qu'il y a une recommandation concernant le niveau de rémunération? Je ne peux pas vous donner beaucoup de précisions là-dessus, sauf pour vous dire que ça doit être suffisant que la personne peut payer ses frais et que ce soit d'être dans les normes du pays. Ceci n'est pas très, ne vous aide pas beaucoup. Mais c'est vraiment tellement très contextuel, si vous voulez. Maintenant, pour la deuxième question que vous avez posée, s'il y a des expériences avec des agents vivant avec le VIH, oui, absolument. Il faut dire que il y a un nombre de ONG qui ont joué un rôle extrêmement important dans les programmes de VIH, mais en large, ils ont fait vraiment partie du staff de ces ONG. Ils jouaient le rôle d'agents communautaires, mais ils étaient des vrais staffs et pas des volontaires à plein temps. Et c'est ça la différence essentielle. Merci et Marc, je vous repasse le micro. Merci Maurice. Et je vois le message de la part de l'équipe PEPFAR Côte d'Ivoire qui nous indique qu'il y a toute une grande équipe présente avec nous aujourd'hui, les partenaires du PEPFAR, AVSI, ANADER, HOPE, SAVE, APROZAM, des structures du ministère clé, l'INFS, la DPG,
le PNEV, l'NSP, je ne sais pas bien prononcer celui, et des participants de la conférence de Cape Town, comme Dr. Anderson et Vinicius Côte d'Ivoire. Donc, vraiment bonne arrivée à tout le monde. Et je vois qu'avec une grande équipe, vous devrez avoir beaucoup de questions que vous pouvez continuer à saisir dans la fenêtre de chat. Et j'ai une autre question pour vous, Maurice. Est-ce que, dans votre expérience, vous avez vu un cas où, avec un plaidoyer, vous avez pu convaincre un gouvernement, disons, à prendre en charge un cadre d'agent de santé communautaire? Et quelle a été la stratégie de plaidoyer pour cette prise en charge? Non seulement la supervision, mais la rémunération. Oui, merci. Bon, si j'allais choisir un pays qui a vraiment réussi, c'est le Brésil. Le Brésil a mené maintenant des équipes de santé familiale qui est composée des médecins, des infirmières, d'un infirmière assistant, un éducateur et des agents communautaires. Mais c'était vraiment un processus des années et des années pour démontrer la validité de cette approche et d'avoir l'aval des ministres et des plus hautes autorités, il y a eu une consistance, il y a eu une coalition qui se sont rassemblées. Et c'est cette coalition de ceux qui étaient convaincus de l'importance des agents communautaires qui ont fait le plaidoyer, utilisant l'évidence qui était à leur disposition pour convaincre les leaders d'adopter cette approche des équipes qui comprend intégralement des agents communautaires. Merci Maurice. Je pense que nous allons passer au prochain présentateur, mais nous allons revenir à une discussion à la fin. Donc, si vous avez d'autres questions pour Maurice, vous pouvez toujours les saisir dans la fenêtre de chat et nous les revisiterons à la fin de ce webinaire. Notre prochain présentateur nous rejoint de l'Haïti. Et il s'appelle Serge D'Alexis. Il est le Child Protection Manager pour IRC Haïti. Et il va nous présenter les expériences de terrain de IRC Haïti dans leur programme de réponse post-séisme, le séisme du 12 janvier 2010. Donc nous sommes au deuxième anniversaire du séisme. Et le programme IRC continue, c'est un programme de protection de l'enfant à base communautaire. Et je passe la parole à Serge D'Alexis. Ok, Serge nous indique qu'il a des problèmes pour activer son micro. Donc ce que je vais proposer, c'est qu'on passe pour l'instant à William Chukuma de Save the Children. Donc on va sauter la présentation de Serge. Aller à Save the Children et revenir. William Chukuma est le directeur adjoint, le coordonnateur adjoint du programme de renforcement des capacités pour les soins et soutien aux OEV dans les 7 régions de Côte d'Ivoire. Donc, je lui passe la parole et on va essayer de corriger les problèmes techniques que Serge a rencontrés. Donc, William, à vous la parole. Merci de m'avoir donné la parole. Bonsoir à tous et bonjour aussi à chacun. Je m'appelle William Chukuma. Je suis coordonnateur adjoint du projet Soins et Soutien aux OEV financé par USAID et PEPFAR au Save the Children en Côte d'Ivoire. Et donc, le titre de notre projet, c'est le renforcement des capacités pour les soins et soutien aux OEV dans cette région de la Côte d'Ivoire. Je vous donne l'information que nous avons
commencé ce projet depuis 2008 et nous sommes au COP 11 aujourd'hui en 2012. Et je crois encore que ce projet est financé par USAID PEPFAR. Et l'objectif général de ce projet, c'est de renforcer les capacités ivoiriennes dans la prise en charge durable et de qualité des OEV du fait du VIH-SIDA. Et entre autres, notre cible, c'est les OEV. Donc nous avons à appuyer et à servir du OEV pendant ce COP 11 qui va 2011 à 2012. Et nous renforçons aussi les capacités des centres sociaux qui sont nos partenaires étatiques. Et nous avons 12 avec lesquels nous travaillons, avec qui nous apportons les appuis nécessaires aux enfants. Et également, à côté de ces centres sociaux, nous avons aussi nos partenaires qu'on appelle les PMO, partenaires de mise en œuvre, et nous avons 11 ONG locales avec lesquelles nous travaillons également sur le terrain, et nous renforçons la capacité de ces ONG locales. Et à côté de ces ONG, nous avons aussi les membres de la communauté. Et nous renforçons la capacité de ces membres de la communauté relativement à la pérennisation de nos activités sur le terrain. La communauté est très importante pour le bon déroulement de nos activités sur le terrain. Et à côté de la communauté, nous avons les familles que nous appuyons. Et on sait que la famille est le lieu de prédilection pour le développement de l'enfant. À côté de ces structures, nous avons aussi toutes les structures qui fournissent des soins et soutien aux OEV conformément à la stratégie nationale que nous appuyons également. Et nous apportons aussi des appuis, des renforcements des capacités à ces structures-là, toujours pour le bien-être des enfants. Quelle est l'implication des membres de la communauté dans notre projet? Et cette implication commence par l'action des conseillers communautaires, souvent qu'on appelle CC. Quand vous allez entendre parler de CC, il s'agit simplement des conseillers communautaires. Et aujourd'hui, nous avons 262 avec lesquels nous travaillons. Pour nous, ils sont très importants et vous allez voir que le nombre est grand, mais ce nombre-là n'est pas statique. Ce nombre est appelé à évoluer compte tenu des diversifications que nous faisons sur le terrain. Et pour que le travail soit bien fait et bien mené sur le terrain, il faut un ratio. Et nous avons pensé que un conseiller communautaire pour 40 OEV, pour nous, c'est acceptable pour que le travail se déroule normalement et bien. Alors, le temps de travail, le conseiller communautaire, il faut le dire, n'est pas un salarié à notre niveau. C'est un bénévole, c'est quelqu'un qui vient de la communauté pour apporter son appui, pour aider son petit frère, bien sa petite soeur qui souffre. Et donc, il le fait au quotidien. Mais le temps de travail n'est pas spécifié. Et pour les encourager, les aider, comme je l'ai dit, il n'y a pas de salaire, nous leur accordons ce qu'on appelle une prime. 25 000 francs, soit 50 dollars par mois. Et ici, c'est l'image, vous voyez, la sélection de ces conseillers communautaires. Et comment cette sélection se passe? Nous, en tant que servitude, cette notion de participation est très importante pour nous, conformément à la CDE, en son article 12. Et nos conseillers communautaires travaillent avec les enfants. Pour nous, il est bien que ces conseillers-là soient choisis par les enfants. Nous disons que les enfants sont capables de réflexion et les enfants, par cette notion de participation, agissent sur leur environnement, modifient leur environnement pour que cet environnement puisse leur donner la force, la joie de pouvoir s'épanouir. Et pour cela, on leur a donné la possibilité de pouvoir choisir leur conseiller communautaire. Donc, on fait des focus groups, groupe de filles, groupe de garçons et un groupe mixte, et on demande à ces enfants de parler de la qualité que doit avoir une personne qui doit les accompagner, qui doit les suivre. Ils décrivent ses qualités. Et à côté de ces qualités, ils
repassent encore en groupe où ils donnent les noms. Selon eux, dans la communauté, ces personnes-là qui pensent être en mesure de pouvoir les encadrer. Et c'est à la suite de cela que les conseillers communautaires sont choisis. Ce sont les enfants eux-mêmes qui désignent ces conseillers communautaires et ils sont redevables aux enfants. Et donc cette notion de participation est très importante pour nous en CDG, comme je l'ai dit, puisque les conseillers communautaires travaillent pour les enfants, et il faut que les enfants aussi soient en mesure de pouvoir les choisir aussi. Le rôle de ces conseillers communautaires, ces rôles qui sont listés ici ne sont pas exhaustifs. Ils sont la cheville ouvrière de nos activités sur le terrain. Entre autres, c'est eux qui font ce que nous appelons les VAD, les visites à domicile. Au cours de ces visites, ils identifient les enfants, ils identifient leurs besoins, ils les réfèrent aux services appropriés. Ils font également le suivi de ces enfants. Ils apportent des solutions qu'ils peuvent. Ils donnent des conseils, ils encouragent la famille qui est dans les situations difficiles à pouvoir tenir ferme, à pouvoir tenir bon pour pouvoir aider les enfants. Ils informent les familles des événements très importants, par exemple les séances de vaccination, les campagnes de vaccination, s'il y a des sensibilisations sur le VIH-SIDA, et donc ils rappellent tout cela aux familles pour que les familles puissent prendre une part active à tous ces événements-là. Et ils organisent les activités récréatives. Et pour nous, ce rôle est très important, sachant que l'OEV est affecté par la situation de ses parents, du fait du VIH-SIDA. Et psychologiquement, cet enfant qui est affecté ne peut se retrouver qu'à travers les activités récréatives bien organisées pour que l'enfant puisse s'épanouir. Et donc ce rôle dévolu au CC, pour ma part, est un rôle très important pour l'appui psychosocial de l'enfant. Le conseil communautaire mobilise la communauté. Il faut mobiliser la communauté, sa communauté contre la stigmatisation. Il faut mobiliser sa communauté pour lutter contre le VIH-SIDA. Il peut mobiliser sa communauté pour tout ce qui est hygiène pour les enfants. Il peut mobiliser la communauté pour la protection effective des enfants. Et ça, ce sont des rôles qui sont assignés au CC. Et à côté de ces rôles-là, il y a aussi un rôle aussi qui n'est pas seul, qui n'est pas facile, celui de renseigner les fiches de collecte des données du Programme national de prise en charge des OEV. Comme vous allez entendre parler de PNOEV, c'est le Programme national de prise en charge des OEV. En Côte d'Ivoire, toutes nos activités sur le terrain est coordonnée par le Programme national de prise en charge des OEV. Et il y a un programme national, il y a une directive nationale que nous suivons au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc il est bien que je souligne cela. Et ces conseillers communautaires, il faut le dire, et quand ils sont recrutés, quand ils sont choisis par les enfants, on ne les laisse pas comme cela dans la nature ou bien s'occuper des enfants. On leur donne une formation de base de 4 jours. Et au cours de ces formations de base, on leur apprend, on leur donne des notions sur la protection, sur les droits de l'enfant, des notions sur la prise en charge des OEV, sur les différents soutiens, sur ce que c'est que la plateforme. Et on leur donne des informations également, comment remplir, comment renseigner les fiches de collecte de données du PNOEV. Donc, ils ont une formation initiale avant d'aller sur le terrain, avant de commencer à travailler avec les enfants. Et au cours de leur activité, au cours de l'année, ils reçoivent encore d'autres formations complémentaires, par exemple sur la nutrition, sur les visites à domicile de qualité, sur le coût, etc., etc. Donc, ces conseillers communautaires sont formés pour être plus opérationnels sur le terrain. Ces conseillers communautaires sont rattachés à une ONG locale soutenue par le programme. Et donc, l'ONG locale se charge de coordonner les activités de ces conseillers communautaires-là. Et au sein de l'ONG locale, il y a des superviseurs. Et pour que le travail soit bien fait,
Et le ratio pour le superviseur, c'est 15 conseillers communautaires. Un superviseur pour 15 conseillers communautaires, pour qu'ils puissent les suivre, ils puissent les coacher, ils puissent les aider à pouvoir mieux travailler, ils puissent aussi recenser leurs besoins et tout cela, faire remonter ces besoins pour que ces besoins soient traités également. Et pour mener à bien leur activité, ces conseillers communautaires au sein des PMO, au sein de ces PMO, de ces partenaires de mise en œuvre, ont des réunions hebdomadaires pour rendre compte de leur activité, pour discuter des défis, des problèmes rencontrés sur le terrain et pour apporter des solutions ensemble relativement à ces problèmes rencontrés et tout ça. Donc, c'est tout cela aussi concourt au renforcement des capacités de ces conseillers communautaires qui, je le disais, sont la cheville ouvrière de nos actions sur le terrain. Quelle relation avons-nous avec les centres sociaux de l'État? L'État, pour nous, est très important. On ne peut pas travailler en dehors de l'État. Et le démembrement du PNOEV, de ce programme national de prise en charge des OEV en Côte d'Ivoire, sont les centres sociaux. Et aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle les centres sociaux restructurés, où il existe des plateformes de collaboration pour la prise en charge des OEV. Il faut le noter que le système de protection de l'État se démène pour fonctionner efficacement à raison des manques de financement aussi. Je pense qu'on prie le bon Dieu pour que cela soit corrigé. Donc, il y a des sérieuses difficultés pour que tous les agents de l'État au niveau social puissent être partout sur le terrain, même dans les villages, dans les coins reculés. Mais faute de moyens, ils ne peuvent pas être partout, ils ne peuvent pas aller partout pour qu'ils souhaiteraient pour pouvoir travailler. Les centres sociaux avec lesquels nous travaillons jouent un rôle important, où il y a les plateformes. Ces centres sociaux-là, ces plateformes, ces centres sociaux, ces directeurs des centres sociaux reçoivent les données recueillies par les conseillers communautaires sur le terrain. Et ce que je veux dire, c'est que les conseillers communautaires sur le terrain, et quand ils travaillent avec les enfants, ils renseignent des fiches. Et à partir de ces fiches-là, les rapports sont produits. Et ces rapports-là sont acheminés à la plateforme, dont le directeur, le coordinateur est le directeur du centre social. Et ces rapports-là sont acheminés au niveau central, au PNEV, pour alimenter la base de données statistiques nationales. Et les assistants sociaux avec lesquels nous travaillons participent à la formation des conseillers communautaires. Ils jouent un rôle important dans cette formation, bien sûr. Quand nous en donnons les moyens pour que cette formation ait lieu, ils viennent de façon spontanée pour travailler avec nos conseillers communautaires. Et aujourd'hui, avec les centres sociaux avec lesquels nous travaillons, nous avons des plans d'activité conjoints, mensuels, que nous exécutons ensemble pour la prise en charge des OEV. Ce qu'il faut noter, parce que les conseillers communautaires sont dans les coins recoins, dans les villages, c'est dans les sites ruraux où les conseillers ou les assistants sociaux de l'État ne peuvent pas arriver. Donc ces conseillers communautaires-là jouent un rôle important, un rôle fondamental dans la prise en charge des OEV. Au plan social, ils sont présents, ils sont chaque jour avec ces enfants-là. Et nous pensons que leur rôle est très important. Et quelle est notre approche au niveau du contexte national? Il faut dire que le statut du conseiller communautaire n'est pas encore reconnu par l'État, mais il y a des tentatives d'élaboration des documents pour des présentations futures pour déjà parler des conseillers communautaires aussi. Il faut dire que si l'État n'a pas les ressources nécessaires pour s'approprier ou soutenir l'approche, parce que tous ces conseillers communautaires, il va falloir, s'ils ont les déverse au niveau de l'État, s'ils sont reconnus, il faut parler de leur salaire, il faut parler de tel chose, tout ça là. Et donc, pour le moment, les ressources nécessaires appropriées pour soutenir l'approche n'est pas encore disponible, et ça viendra. Et encore, il faut dire que plusieurs ONG ont une approche similaire
à ce budget, mais il y a des différentes initiatives dans le montant des primes allouées et aussi dans leur rôle aussi. Donc, il faut dire qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, par rapport à la prise en charge des OEV, il n'y a pas encore de standard d'uniformité au niveau des approches. Donc, chacun essaie de travailler de son côté pour apporter le service de qualité nécessaire aux enfants. Mais pour l'instant, il n'y a pas encore de standard et d'uniformité au niveau des approches. Alors, les points forts, quels sont les points forts parmi l'approche du travail avec les conseillers communautaires? Ça, c'est très important pour nous. Il faut dire que le conseiller communautaire permet un suivi régulier individuel des enfants. Il est proche de ses enfants sur le terrain. Il les connaît. Donc, il est à mesure d'apporter des réponses individualisées en fonction des problèmes des enfants. Il est très important de mentionner cela. Il compense un système de protection sociale étatique apparemment faible. Parce que je le disais tantôt, les assistants sociaux de l'État ne peuvent pas arriver là où les conseillers communautaires sont, dans les villages, dans les coins reculés, parce qu'ils n'ont pas de moyens, de matériel roulant et tout ça. Mais le conseiller communautaire qui est présent déjà dans ces localités-là, peut apporter rapidement le soutien nécessaire à l'enfant qui est en situation difficile. Et c'est pourquoi vous allez voir que le nombre 200, plus de 200 que nous avons de CC, et nous comptons, c'est comme c'est une toile d'araignée, et ça permet de couvrir le maximum d'enfants et de pouvoir prendre en charge ces enfants de façon holistique et bien sur le terrain. Et il faut dire que la présence de ces conseillers communautaires aussi au sein de la communauté renforce la capacité de la communauté. Il permet à ce que la communauté puisse s'approprier la prise en charge des OEV. Et le jour où ces bénéficiaires ne sont pas là, on pense que la communauté pourra prendre le relais, parce que les conseillers communautaires, de par leur présence, de par leur capacité de pouvoir rencontrer les familles, les visiter, leur apportent des savoirs, les éduquent ces familles-là sur la prise en charge des OEV. Et à partir de cela, les parents apprennent. Les parents sont renforcés. Et demain, si nous ne sommes pas là, ces parents-là, ayant déjà des connaissances de base, peuvent également eux aussi prendre en charge leur enfant. Quels sont nos défis? Le premier défi, c'est par rapport à la location. Payer des primes d'encouragement pour ces CC, pour ces conseillers communautaires-là, compte tenu de quand même de leur rôle, les encourager par des primes, est important. Il est peu probable aussi qu'ils n'acceptent pas de travailler sans rien avoir du tout. Ce sont des réalités, ce sont des humains qui ont des humeurs également. Pourtant, le paiement de ces primes-là donne l'impression que les conseillers communautaires travaillent pour ces étudiants plutôt que pour l'ONG locale ou pour leur communauté. Ça, c'est un défi et nous réfléchissons par rapport à ça. Et il y a le soutien aussi de l'approche qui est également un défi, qui donnera les primes mensuelles lorsque les donateurs arrêteront les financements. Ça, c'est une question à laquelle nous réfléchissons également. Ce sont des défis et ces défis sont à relever. Il y a aussi des exigences en matière de suivi et évaluation des bailleurs et du gouvernement. Il faut noter que sur le terrain, les conseillers communautaires qui apportent les services de qualité aux enfants ne sont pas nécessairement ceux qui savent remplir correctement les fiches complexes de rapportage. Alors que ces fiches-là sont très, très importantes pour la traçabilité, pour la quantification de nos activités. Et surtout pour le suivi et l'évaluation des activités sur le terrain.
Il nous arrive souvent de rencontrer des conseillers communautaires qui sont bien, qui travaillent bien avec les enfants, qui sont adulés par les enfants, malheureusement d'un autre côté, qui n'arrivent pas à remplir correctement les fiches. Et ce qui peut créer un déséquilibre. Et cela nous oblige souvent à recruter des personnes lettrées, des personnes instruites. Et quand on sait que dans nos communautés africaines, généralement ce qu'on envoie à l'école sont des hommes, en majorité, il va sans dire que les conseillers communautaires qui savent lire et écrire seront majoritairement des hommes. Et ça, ça peut limiter la participation des femmes, alors que la femme, naturellement, elle sait mieux accueillir l'enfant, elle sait mieux s'adresser à l'enfant, elle sait mieux aider l'enfant, comprendre l'enfant. Et donc, cette situation peut créer, peut limiter, tant soit peu, la participation des femmes. Leçon importante apprise. Et c'est ce que je veux dire. Le succès ou l'échec du projet se trouve largement entre les mains des conseillers communautaires. Les conseillers communautaires peuvent vous faire foutre en l'air tout votre projet. Les conseillers communautaires également ont cette capacité de faire évoluer un projet de façon positive. Et donc je lui disais qu'ils sont la chenille ouvrière de ce que nous faisons sur le terrain. Parce que nous ne pouvons pas être partout à la fois. Il faut être réaliste. Et ce sont les conseillers communautaires qui sont partout, sur le terrain, chaque jour, pour les donner chaque instant, qui sont auprès des enfants, et c'est eux qui nous rapportent les données. Et ce qui veut dire qu'ils peuvent faire avancer le projet, comme faire reculer le projet, et faire péricliter carrément le projet. À cet égard, pour nous, on pense qu'il est important d'investir dans les conseillers communautaires, comme on investirait dans nos staff. Il faut s'investir, il faut les renforcer en capacité, il faut au niveau de la formation, au niveau de la supervision, appui, encouragement, et reconnaître aussi leurs bonnes performances, ce qu'ils font de bien, il faut le reconnaître, et la possibilité de partager avec les doléances. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir écouter les conseillers communautaires, leur apporter l'appui nécessaire, parce que le travail qu'ils font sur le terrain, ce n'est pas un travail facile. C'est un travail noble, le fait d'appuyer, d'aider les enfants à pouvoir s'en sortir. Donc cela, il faut pouvoir prendre le temps de pouvoir les écouter et de pouvoir les accueillir. Merci pour ma modeste contribution à l'œuvre universelle de prise en charge et d'appui aux enfants par le biais des conseillers communautaires par rapport à notre expérience de Save the Children au niveau de la Côte d'Ivoire. Et nous remercions aux bailleurs de fonds du SIPFA pour tout ce qu'ils font pour les enfants au niveau de la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup William pour cette présentation. Vous avez déjà 5 questions, donc ça inspire beaucoup de questions. Je vais commencer par 3 petites questions de clarification. Et après ces 3 petites questions, je vais revenir aux 2 grandes questions. Les 3 petites questions. Brema du Niger pose la question, est-ce que le choix des conseillers communautaires Irène du CDC. Est-ce que le choix des conseillers communautaires se fait uniquement par les OEV affectés par le VIH ou par tous les enfants de la communauté? Brema demande si les conseillers communautaires sont exclusivement des adultes ou bien si est-ce qu'il y a des enfants qui en font partie. Et l'équipe du Cameroun demande si qui supervise les conseillers communautaires? Est-ce que c'est les travailleurs sociaux ou à qui est-ce que les conseillers communautaires sont rattachés? Est-ce qu'il y a alors une architecture parallèle à la structure étatique
et donc en définitive pas d'intégration véritable. Donc si vous pouvez rapidement répondre aux trois questions et puis je reviens à deux autres questions. Si, avec toutes ces questions, cela prouve que l'expérience est bien passée. Le choix des conseillers communautaires n'est pas fait par les OEV du fait du VIH-SIDA. Et quand nous allons dans la communauté, tout enfant est éligible pour participer au focus group de sélection. Donc, dans la communauté, parce que cette personne travaille pour les enfants. Et donc, on ne fait pas de distinction entre les enfants OEV, ou en fait les OEV du fait du VIH-SIDA et les autres enfants. Donc, tous les enfants participent à cette sélection. Et même, dans certains villages, même, il n'y avait pas d'OEV, en fait, du fait du VIH-SIDA, même dans le groupe de sélection, en fait. C'est-à-dire, on demande aux enfants de nous donner, de nous proposer, de nous envoyer des personnes, eux qui pensent qu'ils sont en mesure de pouvoir aider les autres enfants, de pouvoir encadrer les enfants. Les enfants connaissent, je le dis bien, ceux qui sont bien, les adultes qui sont bien, les adultes qui ne sont pas bien, et ça parce que quand ils vont parler de la qualité que doit avoir l'adulte qui doit accompagner, qui doit suivre les enfants vont énumérer qu'ils ne veulent pas de personnes qui est un soulard. Et souvent ça fait rire. Ils n'ont pas besoin de soulard. Ils n'ont pas besoin d'un tonton qui tombe tout le temps dans le caniveau, on le ramasse avec brouette pour l'amener à la maison parce qu'il est sourd. Les enfants voient ces personnes dans la communauté et savent ceux qui les aiment, effectivement. Et donc, ces personnes-là sont choisies par les enfants. Et ça, c'est très important pour nous. Au niveau des conseillers communautaires, pour le moment, il n'y a que des adultes choisis par les enfants. Il n'y a pas d'enfants parmi les conseillers communautaires. Ce sont les membres de la communauté, ce sont les adultes que les enfants choisissent au sein de cette communauté-là. Mm-hmm. Et ces conseillers communautaires-là sont supervisés par un superviseur de l'ONG. Au sein de l'ONG, nous avons des superviseurs. Et ce sont ces superviseurs-là qui viennent encadrer ces conseillers communautaires. Les assistants sociaux nous viennent à mettre, puisqu'on travaille avec eux, pour encadrer ces ONG. Parce que les assistants sociaux aussi ont des expertises dans la prise en charge des OEV. Ils ont des expertises de par leur formation. Ils sont formés à l'écoute, à la prise en charge psychosociale. Ils sont formés par rapport aux visites à domicile. Et donc, on les sollicite pour apporter également leur expertise à ces conseillers communautaires-là. Mais ils ne supervisent pas directement nos conseillers communautaires sur le terrain. Mais ils sont là pour des appuis techniques à ces conseillers communautaires avec lesquels nous travaillons sur le terrain. OK. Merci. OK, merci. J'ajoute deux questions encore. Quelqu'un de la Côte d'Ivoire, je cherche le nom encore, Conan Ogui de Anadir, pose la question sur la gestion des clubs d'OEV et comment est-ce que vous gérez les clubs tout en préservant la confidentialité du statut des familles qui ne désirent pas révéler le statut VIH d'un de leurs membres. Est-ce que les clubs sont exclusifs? Et je crois que dans la première réponse, vous avez dit que tout enfant est éligible à participer à certaines activités, mais je vous laisse élaborer. Mais je vais amener deux questions ensemble, et c'est par rapport au plaidoyer et l'adoption d'une politique nationale pour l'intégration et la promotion des approches des agents de santé communautaire ou les conseillers communautaires, les agents communautaires. Qui doit prendre les leads, selon vous, William, pour le plaidoyer en vue de pérenniser? Et je sais que vous êtes tous rassemblés au niveau du bureau de cette part, même en Côte d'Ivoire. Donc, vous pouvez mener la discussion même après ce webinaire. Et je dis à Dr. Conan et à
à l'autre personne qui vient de poser une question, TraDB. Ah non, c'est pas TraDB. On reviendra à votre question sur le mécanisme communautaire, le paiement, la durabilité des primes à la fin en grande discussion. Donc, je les mets en suspens pour l'instant en laissant William parler du plaidoyer et l'adoption d'une politique nationale. Qui doit prendre le lead et comment ça pourrait se faire? Ok, merci. Je vais commencer par la question de M. Connard par rapport à la gestion des clubs d'OEV, en fait. Ici, à notre niveau, ce que nous encourageons souvent, c'est la participation des enfants aux activités récréatives. Et nous, quand nous menons les activités récréatives sur le terrain, ces activités récréatives sont menées pas seulement avec les OEV, mais les OEV et les enfants de la communauté. Parce que si nous voulons mener les activités récréatives seulement avec nos enfants, ou bien créer nos clubs avec nos enfants seulement, je pense que la stigmatisation sera vite faite, en fait. Mais pourquoi cela tout le temps, ils sont avec ces enfants dans un coin et tout cela. Mais quand nous menons les activités récréatives, on associe tous les enfants du village. Et ce qui permet à ce que nos EEV aussi soient en contact avec les autres enfants, pour jouer avec eux, pour ne pas être toujours isolés. Les problèmes qu'ils ont, les autres enfants ont les mêmes problèmes par moment, c'est qu'ils vivent. Les autres enfants aussi vivent, parce que la pauvreté aussi fait rage du côté des parents vivant avec le VIH et des parents ne vivant pas avec le VIH et tout cela. Et donc, ensemble, ils peuvent trouver des solutions en participant aux activités récréatives, en jouant ensemble, en ayant des activités culinaires ensemble. Et tout cela, nous, on pense que, je pense que c'est la stratégie qui est la plus bonne, de pouvoir mettre ensemble les enfants pour qu'ils puissent jouer, s'amuser ensemble. Ça, c'est très important pour ma part, je pense. Et par rapport au plaidoyer qui doit prendre le lead, ça, c'est une très belle question. Et je crois, personnellement, que nous, en tant que structure internationale, nous sommes là pour appuyer quand même les structures locales, comme les ONG locales, qui travaillent avec les conseillers communautaires. Et je crois que les ONG locales doivent se retrouver sous la direction du PNOEV pour commencer ce plaidoyer national. Pour ma part, je pense. Et nous, en tant que structure internationale, nous, on ne viendra qu'en appui pour les encourager, pour les amener à pouvoir s'organiser, à pouvoir rencontrer qui des droits pour que l'action des conseillers communautaires soit prise en compte. Évidemment, sous le lead quand même du PNOEV, qui est le programme national de prise en charge des OEV, et qui est en mesure de pouvoir encore faire porter cela au plus haut niveau et à qui des droits. C'est ma réponse. Merci. Ok, on voit qu'il y a beaucoup d'intérêt pour cette question de pérennisation et de lien entre le travail fait par les conseillers communautaires et Save the Children en tant qu'ONG et structure non étatique et la structure étatique. Et plusieurs personnes posent la question, est-ce que ce sont deux structures, deux mécanismes qui opèrent en parallèle. Donc, on va revenir sur cette grande question un peu philosophique vers la fin, en grande discussion. Donc, pour ne pas tarder sur la troisième présentation, on remercie William. Et maintenant, on passe à Serge d'Alexis, le Child Protection Manager de Haïti. Et IRC Haïti qui va présenter le rôle des différents membres de la communauté dans leur projet, leur programme de réponse au séisme. À vous, Serge. Merci, Marc.
Et je dis un grand bonjour à tout le monde. Merci de votre intérêt à participer à cette session de partage d'expérience sur la question de protection de l'enfance à travers le monde. Et bien avant de commencer, je voudrais juste dire un grand bonjour et remercier une personne qui m'est très spéciale qui assiste à la présentation aujourd'hui. C'est René Tamasso. Donc, il a travaillé en Haïti. Donc, il est jusqu'à présent pour moi un mentor dans tout ce qui a rapport à la protection de l'enfance. Donc, René, un grand bonjour à toi, mon cher. Et juste pour commencer la présentation, donc je vous fais juste un petit rappel, comme vous le savez très bien, Haïti a été frappé par un séisme, je dirais meurtrier, le 12 janvier 2010, donc qui a fait plus de 300 000 morts et environ 200 000 blessés, avec beaucoup beaucoup de structures détruites au niveau étatique, au niveau logement, infrastructure routière et autres. Donc, IRC est arrivé juste le lendemain du séisme en Haïti et a commencé avec des programmes d'urgence, du genre protection de l'enfance, gender-based violence, protection de manière générale, eau et assainissement et autres. Mais aujourd'hui, je vais plus ou moins présenter le programme de protection de l'enfance en Haïti, le programme d'urgence. Et le projet, c'est le projet de protection de l'enfance à base communautaire. Pour ce projet, comme objectif, juste après l'urgence, on avait c'est favoriser et renforcer la résilience chez les enfants vivant dans les communautés des personnes déplacées. Donc, on a eu pas mal de camps d'hébergement au niveau de la capitale. Donc, on devait mettre sur pied des activités juste pour aider les enfants dans les centres, dans les camps, à se défaire de ce trauma qu'ils ont subi lors du tremblement de terre. Donc, comme activité, on a eu, c'est fournir des activités récréatives, appui psychosocial et l'éducation non formelle aux filles et garçons des communautés environnantes, des espaces amis des enfants et dans les camps d'hébergement. Comme objectif 2, qui est post-urgence, c'est renforcer la capacité de la communauté à protéger leur enfant de manière responsable et autonome. Donc, cette question de problématique de protection de l'enfance après le séisme, donc a retenu l'attention de plus d'un. Donc bien avant ça, il y avait toujours des problèmes de protection de l'enfance, mais avec le séisme, donc tout s'est aggravé dans pratiquement tous les domaines en Haïti. Donc c'est alors qu'on a pu remarquer donc les faiblesses du système de protection de l'enfance en Haïti. Donc on a essayé à travers ce programme d'aller de construire un système qui parle de la communauté. Donc c'est juste pour ça qu'on parle en termes d'objectif, qui est de renforcer la capacité de la communauté à protéger leurs enfants de manière autonome. Et l'objectif 3, qui est un objectif sur, je dirais, moyen et long terme, qui est d'arriver à créer un environnement protecteur de l'enfant à travers des mécanismes communautaires autonomes et systémiques. Comme vous le savez, dans l'environnement protecteur des enfants, on a l'enfant, les parents, la communauté, société civile, l'État et autres. Donc, on veut partir des cercles concentriques qui sont plus rapprochés de l'enfant. Donc, c'est la raison pour laquelle on a essayé de bâtir un système qui part de la communauté, qui est pour la communauté. C'est juste pour essayer de voir dans quelle mesure on peut avoir un système qui marche de façon autonome, autonome dans la communauté. En termes de population cible, on a travaillé dans 4 communes de l'aire métropolitaine de Port-au-Prince et on a touché 11 camps d'hébergement. Ces 11 camps, donc on a Pétionville, Delma, Port-au-Prince, Tabar, et qui totalisent ensemble 3 829 enfants qui ont été inscrits dans nos activités dans les CFS. Donc, en termes de pourcentage, on a 51% de filles et 49% de garçons. En termes d'implication de la communauté, comme on a dit les objectifs, donc 2 et 3, donc c'est un système qu'on veut bâtir qui part et pour de la communauté. Donc, la participation de la communauté est plus qu'essentielle et plus que vitale dans la réussite, je dirais, du projet et pour arriver à mettre en place ce système-là. Donc, comme participation communautaire, on a eu pour chaque CFS
quatre animateurs qui ont pour rôle d'assurer le bon déroulement des activités dans les espaces d'amis d'enfants, identifier les activités à entreprendre par les enfants, observer les comportements affichés par chaque enfant dans nos CFS et alerter et référer si besoin. Et dépendamment du comportement de l'enfant, des fois il faut référer à un psychologue pour un appui, je dirais plus ou moins particulier à l'enfant. Donc ce sont les animateurs qui sont en grande partie responsables de ces activités. On a eu également trois gardes de sécurité. C'est juste pour aider à maintenir un climat de sécurité dans les espaces d'amis d'enfants lors du déroulement des activités et veiller à la protection de l'espace et les matériels dans les CFS. Et également, on a eu un moniteur. Et ce moniteur, c'est pour aider à établir un plan de travail pour les animateurs dans les espaces d'amis d'enfants, faire la requête des matériels nécessaires au déroulement des activités, faire le lien entre parents des enfants et autres personnes de la communauté, les espaces d'amis d'enfants. Donc, il faut rappeler que ces personnes sont choisies sur une base de concours. On a fait un test écrit oral au niveau des membres de la communauté. Donc, ces personnes sont en grande partie référées par des leaders communautaires, par des comités de management dans les camps. Donc, ce sont des personnes de confiance. Mais comme on a eu beaucoup plus de candidats que des personnes qu'on voudrait avoir, donc c'est juste pour ça on a essayé de passer à travers un mécanisme de sélection qui est tout à fait transparent, où la communauté s'implique, où les leaders communautaires voient ce qu'on fait, ce qui se passe. En termes de rémunération, donc ces personnes ne sont pas vraiment rémunérées, mais on leur donne une sorte de comment je peux dire ça, incentive, de stipend. Pour les animateurs, on donne 125 dollars américains le mois. Pour les moniteurs, on donne 150 dollars américains. Et pour les gardes de sécurité, on donne 85 dollars le mois. Pour chaque communauté, c'est-à-dire pour chaque camp, là où on travaille, tout au début, on essaie de mettre un comité de parents sur pied. Ce comité sert, je dirais, de comité de veto pour dire si oui ou non on va accepter telle ou telle activité dans le camp, dans l'espace d'amis d'enfants. C'est juste pour essayer d'être de plus en plus transparent dans tout ce qu'on fait dans la communauté, juste essayer de rendre compte à la communauté sur les programmes qu'on a pour les enfants, les activités qu'on veut mener avec les enfants. Et après, on a eu un groupe de dialogue sur les thématiques relatives à la protection des enfants. Parce que on ne voulait pas à chaque fois inviter la communauté de formations qu'on fait, je dirais, de manière trop formalisée, trop formelle. C'est juste, on voudrait avoir un groupe de dialogue juste pour savoir ce que c'est déjà la communauté sur cette question de protection de l'enfance. Donc, on a essayé de mettre sur pied un groupe de dialogue au niveau de chacun là où on travaille. Donc, ces groupes de dialogue sont constitués de 15 personnes, de 15 volontaires de la communauté. Et puis, on a utilisé la méthodologie ESK, éducation, c'est la conversation. C'est ESK, c'est en créole, éducation, c'est conversation. Donc, c'est juste, c'est une méthodologie qui a été développée par Beyond Borders. Donc, l'ONG, on travaille, ils ont formé des moniteurs, ils ont formé des personnels pour nous, pour permettre qu'on puisse utiliser cette méthodologie dans nos CFS. Après que le groupe de dialogue est achevé, je dirais, le programme. Donc, on a essayé de former un comité de protection des enfants qui sont constitués de 9 personnes. Ces personnes-là sont issues directement du groupe de dialogue. Et ces personnes sont élues par vote des autres membres du groupe. Donc, en termes de rôle, ce comité a le rôle de surveiller et de reporter tout qu'il y a comme problématique, tout ce qu'il y a comme problème et en termes de protection de l'enfance dans la communauté. Et aussi, on est très ouvert, on reçoit des suggestions, des commentaires de toute autre personne qui désire de participer dans les activités qu'on fait dans nos CFS. Pour le suivi de ces activités. Donc, pour le suivi des activités, donc l'IAC dispose de personnel qui accompagne les animateurs, les moniteurs, le groupe de dialogue, le comité de protection tout au long du processus. Donc, on a un mobilisateur communautaire qui est responsable de faire le mapping
de tout ce qui est un service social de base dans la communauté et distribuer une petite liste à la communauté en disant si vous avez des problèmes de santé, voilà où se référer. Si vous avez des problèmes de nutrition avec un enfant, voici là où se référer et tout autre service qui sont disponibles dans la communauté. On a également un assistant visiteur communautaire et deux travailleurs sociaux mobiles. Ces deux travailleurs sociaux mobiles sont là pour aider la communauté dans la gestion de cas. Des fois, bien entendu, on essaie de mettre en place un système, donc on essaie de répondre de manière systématique à tout ce qui est problème de protection de l'enfance. Mais du coup, après l'urgence, donc on a eu des cas qui méritent une attention plus ou moins particulière et soutenue. Donc on a eu deux travailleurs sociaux mobiles pour essayer de faire la gestion de cas pour les cas qui méritent d'être traités de manière singulière et spécifique dans la communauté. Principale force du projet. Donc on peut dire que le projet permet de travailler avec les couches les plus proches de l'environnement protecteur des enfants. Donc on a l'enfant qui est au centre, tout de suite après on a les parents, on a la communauté, on a l'État, la société civile. Donc le projet permet de toucher au moins toutes les couches de l'environnement protecteur de la société civile. Parce qu'on travaille, un, avec l'enfant, deux, les parents, trois, la communauté, quatre, les institutions étatiques, l'État, six, on a la société civile, en septième position, on a les ONG internationales qu'on essaie de travailler ensemble, qu'on essaie d'imbriquer ensemble pour former le système. Donc ensuite, le programme permet de construire une approche systémique en incluant la communauté. Donc au départ, on devait répondre à tous les cas de protection de l'enfance au cas par cas, nous autres, en tant qu'organisation internationale. Maintenant, on voit que la communauté se réveille un peu, même si la communauté nous appelle, juste pour avoir des suggestions, pour nous informer comment ils pensent traiter une question, une problématique, mais on voit que la communauté réagit par rapport à tout ce qui est problématique de protection de l'enfance. Donc, comme troisième autre force qu'on peut citer, c'est une implication de la communauté sur une base de volontariat. Comme on a dit, ce sont les animateurs, les superviseurs ou moniteurs qui reçoivent une petite somme comme... pas comme un salaire, mais c'est comme quelque chose pour les inciter à participer dans les activités, mais pour les groupes de dialogue, pour comité de protection, comité de parents. Donc c'est sur une base totalement volontaire, donc ces personnes ne reçoivent absolument rien de la part de l'organisation. Donc c'est un engagement, je dirais, de la communauté à travailler pour mettre en place ce système. En fait, comme défi, bien entendu, donc dès le début du projet, donc on a fait face à pas mal de défis. Mais actuellement, donc, on est en période de transition là où on doit essayer de faire un step back, c'est-à-dire on doit essayer de faire un recul pour essayer de laisser beaucoup plus d'espace à la communauté, aux institutions étatiques, de prendre le relais. Donc maintenant, comme défi, on a essayé d'arriver à impliquer davantage les autorités locales, municipales et centrales dans le processus. Bien entendu, on a déjà la participation de la municipalité, on a déjà la participation des autorités locales dans le processus, même si les personnes, par exemple les comités de protection de l'enfance, n'est pas totalement reconnu par l'État central, mais ils travaillent de concert avec les autorités municipales. Donc, si c'est un membre de la communauté qui arrive dans la municipalité pour dire, ben là, on a un cas de protection de l'enfance, donc ce cas-là va être traité. Donc, c'est juste qu'on essaie de faire le lien entre l'État et la communauté. Et autre chose, on a la structure étatique, bien entendu, qui a également des travailleurs sociaux. Des fois, pour traiter un cas de manière spécifique, soit pour bouger un enfant d'un point à un autre, on est obligé de faire appel à un travailleur social de la structure étatique pour nous accompagner dans le processus. Donc, c'est juste que pour éviter des soupçons de traite, de tout ce qu'on peut avoir, donc il y a des actions que les membres de la communauté ne peuvent pas faire sans avoir la présence d'un travailleur social étatique pour continuer dans le processus. Donc, autre chose, c'est permettre, et en termes de défi, c'est permettre à la communauté
de faire le lien directement aux fournisseurs de services sociaux disponibles. Après le séisme, il y a eu une panoplie d'ONG qui sont entrées en Haïti pour travailler, mais jusqu'à présent, la communauté a du mal à faire le lien directement avec ses fournisseurs de services ou à entrer en contact directement avec ses fournisseurs de services. Donc, des fois, il faut avoir le téléphone des personnes responsables pour appeler pour dire, mais là, j'ai un cas que je dois référer, est-ce que vous pouvez la recevoir? Donc, il faut contacter par email ou tout ça. Donc, et vu que la communauté ne dispose pas toujours de ces moyens de communication, donc, des fois, ils nous appellent pour dire, est-ce qu'on peut faire le lien entre eux et tel fournisseur de services? Donc, ça, jusqu'à présent, reste un défi de voir comment on peut essayer de faire le lien directement entre ces fournisseurs de services et les gens de la communauté. Autre chose en termes de défis, c'est le retrait massif de fournisseurs de services dans la communauté et les camps d'hébergement. Donc maintenant là, tous les ONG qui travaillent en Haïti sont dans une période de transition où ce n'est plus l'urgence, mais il y a quand même beaucoup de besoins qui restent encore à satisfaire. Donc maintenant, vu que les financements d'urgence, je dirais, prennent fin, les financements de développement tardent encore à arriver ici en Haïti. Donc on a constaté un retrait, je dirais, massif des fournisseurs de services. Par exemple, à chaque fois, on est obligé de faire le mapping ou du moins de recartographier à nouveau les services existants. Durant cette semaine, on peut avoir tel service de santé disponible, mais après un mois ou deux semaines, donc ce fournisseur de service a fermé ses portes et a laissé la communauté. Maintenant, on doit à nouveau trouver un autre fournisseur de service pour permettre à la communauté de faire les références. En termes de perspective de pérennisation, on essaie de mettre en place un système de référencement à un niveau local pour l'accès aux services sociaux disponibles. Donc, si, bien entendu, il y a des services sociaux disponibles, mais la communauté n'est pas tout à fait bien imbue de la disponibilité de ces services et quels frais payer exactement pour avoir ces services. Des fois, la communauté dit, mais il y a un hôpital ici, il faut payer pour aller à cet hôpital, pendant que les services sont donnés et gratuitement. Donc, c'est juste qu'on essaie à tout moment de faire le mapping des activités pour essayer de faire le lien avec la communauté, pour si un jour il décide de faire un recul total de la communauté pour que la communauté puisse avoir un système de référencement en main et à un niveau, je dirais, local, à un niveau de proximité pour permettre à la communauté de continuer à faire les références vers les services sociaux disponibles. Autre chose, c'est la responsabilisation des parties prenantes. Donc, on a l'enfant, la femme et la communauté, autorité locale et l'État central. C'est dans la mise en œuvre du système. Bien entendu, on a déjà la participation des autorités locales et centrales, mais c'est quand on a besoin d'eux, on fait appel à eux, mais ils ne sont pas toujours disponibles. Ils ne sont pas entièrement disponibles pour le système qu'on essaie de mettre en place. Maintenant, au niveau des municipalités, on essaie d'avoir quelqu'un qui travaille dans le bureau du maire, qui est responsable de tout ce qui est question de protection de l'enfance dans la commune. Donc, même si ces personnes ont d'autres activités, n'est pas toujours disponible, mais c'est le plaidoyer qu'on essaie de faire là pour, au moins, si on peut avoir une personne disponible au niveau de l'État municipal, au niveau de l'autorité municipale, pour faire le lien directement avec la communauté qui soit responsable, qui ne soit responsable que des activités de protection de l'enfance de la communauté. Donc, c'est en termes de pour essayer de pérenniser le système, parce que la municipalité existera toujours, la communauté existera toujours. Donc, si on essaie de faire le lien directement entre ces deux principaux acteurs, donc on avancera vers une structure plus ou moins pérenne dans le temps. À la fin, j'ai présenté des photos juste pour vous donner une idée des activités dans les espaces d'amis d'enfants qu'on appelle CFSI, Child Friendly Spaces. Donc ici, dans la première photo, en haut à gauche, on a une petite discussion entre les enfants sur une thématique de protection de l'enfance, en termes de ce qu'ils pensent de la protection de l'enfance. Et en bas à gauche, on a notre travailleur, notre
mobilisatrice communautaire Oveline, qui essaie de lire une histoire pour les enfants et puis après et avoir leur point de vue sur tout ce qu'ils viennent d'écouter. En haut à droite, on a les activités récréatives. Donc, ce sont les enfants qui essaient de faire des petits travaux artisanaux, donc qui essaient de créer des petits trucs, des petites activités à travers soit recyclage de papier, recyclage de déchets plastiques et autres. Comme conclusion, ce que je voudrais dire, c'est de l'appui psychosocial qu'on donne dans les CFSI, l'éducation non formelle, aux activités récréatives qu'on réalise avec les enfants. Les espaces d'amis d'enfants servent de porte d'entrée pour nous dans la communauté. Donc, des fois, on a toujours tendance à assimiler la protection de l'enfance à base communautaire, ou du moins à réduire ce qu'on appelle protection de l'enfance à base communautaire aux simples activités dans les espaces d'amis d'enfants. Donc, non, il faut aller un peu plus loin dans le système qu'on essaie de mettre en place. Les espaces d'amis d'enfants ne sont que des portes d'entrée pour essayer d'atteindre la communauté. En termes de leçons apprises, ce que je pourrais partager, c'est on a vite compris que c'est beaucoup plus facile et vaut mieux de passer par des travailleurs sociocommunautaires pour atteindre la communauté au lieu d'envoyer nos propres travailleurs sociaux qui sont des employés plus ou moins formels de notre organisation. Donc, quand c'est la communauté est beaucoup plus susceptible à asseoir, à discuter avec des personnes qui ont reçu de la formation, mais qui sont des personnes issues directement de la communauté, que de travailler avec de groupes venus de l'extérieur. Quand, pour nos autres organisations internationales, quand on arrive dans la communauté, tout le monde a toujours tendance qu'on va apporter des aides, je dirais, matérielles, en termes de biens, en termes de distribution d'argent et autres, comme il y a d'autres ONG qui le font. Mais quand on essaie de passer par les travailleurs communautaires, on arrive à sensibiliser, on arrive à avoir des pions de la communauté. Donc, c'est beaucoup plus facile d'atteindre le reste de la communauté à travers de ces travailleurs sociocommunautaires. Donc, je dis un grand merci à toutes et à tous. Donc, si vous avez des questions, donc je suis prêt à essayer d'apporter des éléments de solution, de réponse. Merci. Merci beaucoup, Serge. Il y a déjà beaucoup de questions aussi, jusqu'à 5, et je les ai déjà regroupées en 3 catégories. Donc, je les regroupe pour vous. D'abord, il y a une question de clarification sur les différentes structures communautaires. Comment est-ce qu'elles sont organisées? Sont-elles imbriquées les unes dans les autres? Quelle est la différence et les liaisons? Quelles sont les liaisons entre les groupes de dialogue, le comité de protection de l'enfant, et ainsi de suite. Première question. Deuxième question, c'est une approche très intéressante qui met véritablement la protection de l'enfant au cœur de la communauté. Mais quel est le lien avec les structures étatiques? Comment est-ce que l'État est impliqué dans les activités d'IRC en Haïti? Quel est le rôle des structures étatiques? Je pense que vous avez brossé cette question à la fin de votre présentation, mais peut-être quelques autres renseignements sur l'implication de l'État haïtien dans les activités d'IRC en Haïti. Et troisième catégorie de questions, c'est sur les violences basées sur le genre et les violences sexuelles. Comment sont gérés les cas de violences basées sur le genre par les acteurs communautaires en lien avec les structures étatiques? Est-ce qu'on peut avoir quelques exemples réussis de réponse au VIH-Sida en lien avec les violences sexuelles sur la petite enfance? Donc, voici les 3 catégories de questions et je vous repasse la parole pour les réponses. Merci beaucoup Marc. Merci, ce sont des questions que je trouve qui sont assez pertinentes. Merci aux personnes qui ont soulevé ces points. En termes de structure communautaire, donc quand on est arrivé dans la communauté, donc
pour essayer de travailler, on a essayé de mettre sous pied un comité de parents d'enfants de la communauté, juste pour essayer de mettre au courant la communauté sur ce qu'on va faire avec les enfants, comment on va travailler, quel est le but objectif poursuivi. Donc, pendant qu'on travaille dans les CFS avec les enfants, qu'on met les activités récréatives, donc on a essayé de mettre sur pied une structure qu'on appelle groupe de dialogue. Les groupes de dialogue, donc chaque semaine, on essaie de traiter un thème qui a rapport à la protection de l'enfance. Donc, pour eux, un enfant qui ne va pas à l'école, ça, ce n'était pas un problème de protection de l'enfance. Un enfant qui ne mange pas à sa faim. Donc, cette question de droit des enfants était, je dirais, un thème ou du moins qui était nouveau aux gens de la communauté. Donc, quand on dit oui, l'enfant a des droits. Donc, en Haïti, on a toujours tendance à réduire l'enfant à un être humain à part entière, oui, parce qu'il vit, il mange, il boit, mais en termes de droit, donc c'était pas trop clair dans la tête des gens que les enfants également ont des droits. Donc, à travers de ces groupes qu'on appelle groupes de dialogue, on a essayé de mettre en place, on a essayé de former ce qu'on appelle comité de protection des enfants. Ce comité est issu directement du groupe de dialogue qui était composé au préalable de 15 personnes, mais pour le comité, on a choisi 9 personnes et qui sont élues par vote des autres personnes qui ont suivi la formation, qui ont participé au groupe de dialogue. Donc, c'était en termes de structure communautaire ce qu'on a. Lié avec la structure étatique. Donc, comme j'ai dit au départ, on a essayé d'impliquer la municipalité en termes de la mairie dans la structure. Donc, pour travailler, il y a des actions pour mener dans une municipalité ou dans une commune, on doit avoir au préalable l'aval du maire principal pour mener l'activité. Par exemple, la construction des structures semi-permanentes qu'on a dans la communauté pour les espaces d'amis d'enfants. Donc, on a eu l'approbation directe du maire pour pouvoir construire cette structure. En plus de ça, on essaie de sensibiliser les municipalités pour essayer de participer dans les activités, donc essayer de mettre quelqu'un qui soit disponible pour essayer de faire le lien entre le comité de protection de l'enfance et la municipalité. Et également, comme j'ai dit tantôt, il y a des cas pour traiter ces cas-là, donc il faut avoir directement un travailleur social issu de l'État central, ou du moins de la structure de protection de l'enfance, qui est l'Institut de bien-être social, au niveau de l'État central, pour intervenir avec la communauté pour traiter ce cas. Par exemple, si on doit déplacer un enfant qui a été, je dirais, victime d'un abus sexuel, qui a été battu, si on doit déplacer l'enfant de la communauté pour aller vers une autre structure, par exemple vers une famille d'accueil organisée, pour aller à l'hôpital, pour aller voir les autorités policières. Donc, on doit avoir un travailleur social de la structure étatique qui doit accompagner les gens de la communauté pour faire le suivi. Donc, mais de l'autre côté, on a un autre programme, FTR. Donc, on travaille directement avec l'État central. Donc, dans la recherche et la réunification familiale, donc il faut avoir l'aval de l'autorité centrale avant de réunifier l'enfant avec ses parents. Il faut que le cas de l'enfant ait été instruit par les autorités centrales pour voir si oui ou non la réunification est possible et autres. Donc, en termes de travail, donc on a une collaboration assez serrée, assez franche avec avec les autorités haïtiennes. En termes de problèmes de violence basée sur le genre, comment est-ce que la communauté les traite? Donc, souvent, on a eu des cas de viol sur des filles, on a eu des cas de filles battues, donc qui sont des problématiques de protection de l'enfance que la communauté également a en main une liste de références. Donc, la communauté est formée et sur ce qu'on appelle deadline pour réagir sur un cas de viol, on ne doit pas dépasser 72 heures. Donc la communauté a tout le cheminement en main
même si des fois ils font appel à nous en termes de référence vers des services, en termes de pour essayer d'aller un peu plus vite, mais la communauté sait toujours que avant même d'essayer d'informer le leader communautaire, d'aller voir la police ou de faire un parcours, je dirais, assez long avec un enfant qui a été victime de viol, la priorité est de mettre le cap sur les soins de santé. Donc, bien avant les 72 heures, donc, la communauté est au courant qu'elle doit aider l'enfant à trouver les soins de santé. Et puis après, on va essayer de voir si on va essayer de chercher les appuis. L'appui psychosocial, on va essayer d'aller voir la police pour essayer d'entamer les poursuites judiciaires. Mais en termes de ça, donc, on a eu pas mal de cas qui ont été référés par la communauté et on a suivi le cheminement que la communauté on suivait avec ces cas-là. Donc on peut dire en termes de question de violence basée sur genre que la communauté est sensibilisée à ce sujet et deux, apporte des éléments de réponse, je dirais, tout à fait adéquates. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu aux questions. Donc, s'il y a d'autres précisions que je devais porter, donc je suis encore là, je suis disponible. Et Serge, je crois que vous avez parlé à l'avant-dernière question, quelle est l'expérience des structures étatiques qui soutiennent votre action. Mais une dernière question, quel rôle est-ce que les animateurs ont joué comme dans le suivi de ces activités? Moi, j'ai eu un coupure, est-ce que tu peux répondre pour moi? C'est la question qui apparaît dans la fenêtre de chat. Quel rôle est-ce que les animateurs ont joué comme dans le suivi de ces activités? Je crois que dans Ah ok, c'est pour en termes de suivi. Donc ce sont les animateurs qui, je dirais, reportent les cas. Par exemple, quand la communauté réfère un cas, donc on a toujours les animateurs qui sont formés, qui enregistrent des informations, à savoir le nom de l'enfant où il vit, qui essaient de reporter à nos autres IRC. Quelques éléments d'information sur le cas. Parce que pour tous les cas qu'on a eu sur. Dans tous les cas qu'on a eu au niveau de la communauté, a été en grande partie référé par les personnes de la communauté, mais directement aux animateurs qui sont présents, qui sont sur place, et puis les animateurs font le lien entre les personnes qui essaient de. Entre les personnes qui nos travailleurs sociaux qui sont des employés à part entière de l'IRC, qui font le lien entre eux. Ce sont ces animateurs-là qui font le lien entre les personnes de la communauté et nos travailleurs sociaux. Marc, il y a une autre question qui apparaît dans la fenêtre de chat. Est-ce que je dois également apporter des précisions? Ah, ok. En termes de. Ah ok. Oui, je disais que les animateurs, eux également, ils font le suivi et l'évaluation. Par exemple, des fois, il y a des cas qui ne sont pas reportés pour une raison ou une autre. Donc, ce sont ces animateurs qui essaient de chercher pourquoi la communauté n'a pas référé à ces cas. Donc, je dirais que les animateurs sont directement impliqués dans les activités qu'on met dans les CFS. Donc, ce sont eux qui essaient de suivre l'évolution des enfants. Et puis, ils ont une petite enquête qu'ils mènent, par exemple, un enfant qui, quand un enfant vient dans les activités de CFS, une ou deux semaines après, il y a ces animateurs qui vont voir les parents de ces enfants pour savoir s'il y a un changement de comportement chez l'enfant. Est-ce que l'enfant joue maintenant, si l'enfant ne jouait pas avant? Est-ce que l'enfant est plus ou moins, je dirais, content en termes de changement de comportement? Donc, on essaie de voir. Et ce sont ces animateurs qui essaient de faire le suivi en termes de résultats de la communauté des activités des CFS. Donc, je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, donc s'il faut que j'apporte d'autres précisions, donc je suis disponible.
OK, merci beaucoup. Nous sommes vers la fin de notre webinaire et nous ne sommes pas arrivés à la discussion en tant que telle. Mais je vous lance la question que nous avons voulu vous poser en tant que point de réflexion, point de discussion. Et la question est, quelles sont vos réflexions sur le paiement des membres de la communauté impliqués dans la fourniture des services sociaux? Je pense que cela revient à beaucoup de débats que nous avons suivis pendant ce webinaire. Maurice a commencé avec l'exemple du Brésil, où vraiment l'État a compris l'importance de la chose et ils ont créé un système par lequel les agents communautaires ont été rémunérés de manière régulière et ça a été pérenne parce que ça a été pris en compte par l'État. Nous avons vu le défi en Côte d'Ivoire, décrit par Dr. Conan de l'UNICEF Côte d'Ivoire, qui a dit les défis sur la durabilité des primes allouées aux conseillers communautaires est effectivement pertinent. Selon moi, dès le démarrage du projet, cette question devrait être posée et dès lors, des esquisses de solutions devaient commencer à émerger. Pour moi, si le projet est à base communautaire, la solution par rapport aux défis sur les primes ne peut venir que de la mobilisation et la responsabilisation de cette même communauté. Sous-entendu que cette même communauté a été impliquée dans la formulation du projet et donc qu'elle voit ses intérêts. Donc, voici un autre point de vue qui n'est pas d'accord que les primes doivent venir de l'État ou du gouvernement. Et finalement, Brema Ouédraogo de l'UNICEF Niger dit, pour moi, le défi... Ah non, j'ai renversé. Le défi majeur reste la mise en place d'un véritable mécanisme communautaire. Ne pensez-vous pas que nous sous-estimons très souvent les ressources de la communauté pour se prendre en charge? Parce que tant nous aurons des financements à travers les projets, tout se passera bien. Donc, nous sommes vraiment à la fin et on voit que cette question de paiement, de pérennisation, de la continuité des activités est très importante. Si certains parmi vous aimeraient ajouter votre parole là-dedans, votre mot là-dedans, nous ouvrons le débat à tout un chacun. Vous cliquez sur l'icône « Lever la main ». OK. Je crois que nous sommes à la fin de nos 2 heures, donc on va finir par quelques mots, mais je pense qu'il y a beaucoup de points qui sont sortis. Ah, il y a Pepfar Côte d'Ivoire qui veut parler, donc je clique sur le micro pour vous passer la parole, et vous aussi, vous pouvez cliquer sur le micro pour allumer et pour éteindre le micro. À vous, Pepfar Côte d'Ivoire. Oui, merci, Marc. J'espère que... Oui, donc, j'espère que vous m'entendez. Ce que je voulais dire, c'est que on a eu vraiment de très bonnes présentations et qui ont relevé ces défis. Parce que, quelles que soient les 3 présentations, c'est ressorti chaque fois la question de la pérennisation des paiements. Mais ce que je retiens qui est le plus important, c'est que ces activités, tant que tu impliques une personne pour un travail à faire, on ne devrait plus parler tellement de volontariat. Et donc, de plus en plus, il y a des acquis, il y a quelques expériences, mais il y a encore des défis. Je voulais juste dire qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, nous avons tenté depuis 2008 d'harmoniser un peu les pratiques au niveau national, à travers un guide qu'on a appelé le guide de prise en charge communautaire, dans lequel, avec le programme national de prise en charge des personnes vers le VIH, nous avons essayé d'harmoniser d'abord le paquet d'activités. Et je pense que le premier orateur a bien parlé de cela. Il a dit qu'il faut limiter et être clair sur les tâches de ces personnes que nous impliquons. Et la deuxième chose, on a essayé d'harmoniser une fourchette
pour demander aux partenaires de s'aligner un peu sur ces fourchettes-là. Sous-entendu que c'est toujours vraiment dans le sens de faire avancer les activités et de réfléchir à une solution plus pérenne. Donc aujourd'hui, nous, notre équipe, on a la chance d'être avec les directions, le ministère, les ministères, il n'y a pas un seul ministère ici, nous avons le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, nous avons le ministère d'État, de l'Emploi, de la Solidarité et des Affaires Sociales, nous avons le ministère de la Jeunesse avec l'ENZEP, et donc et vraiment c'est une équipe pluridisciplinaire. Et l'école même qui fait la formation des travailleurs sociaux. Donc, je ne me suis pas présenté, je suis Djenéba, docteur Traoré Djenéba de l'équipe de PEPFAR Côte d'Ivoire, je m'excuse. Et donc, je voudrais vraiment que nous ayons à l'esprit que notre action doit être menée de concert avec les structures étatiques, mais aussi avec les communautés. Parce que Marc a dit quelque chose de très important, c'est qu'on pense qu'on peut écrire nos projets et quand on est prêt, on vient, on dit « Ah, la communauté, tu dois faire ça. » Alors qu'ils n'ont pas été impliqués. Et c'est la même chose aussi pour les structures étatiques. Donc, il faut les impliquer dans la discussion et ensemble, on essaie de tirer les leçons et on peut faire le plaidoyer pour avancer vers des modèles un peu plus pérennisables. Donc, nous sommes en cours, nous ne sommes pas vraiment très avancés, mais nous avons une très bonne collaboration. Et nous sommes en train de réfléchir parce que nous pensons que la question dépasse le cap de ces trois ministères et le leadership doit être joué peut-être à un niveau un peu plus élevé que ces ministères techniques avec lesquels nous travaillons. Donc voilà un peu quelques réflexions et au nom de l'équipe. Merci beaucoup, Djenéba. Nous sommes vraiment contents que ce webinaire a été utilisé à cette fin de vraiment provoquer une discussion plus élargie sur la question. C'est un grand plaisir pour nous et vos commentaires sont extrêmement pertinents. Je pense qu'il est maintenant 14h GMT, donc nous allons, ou 15h, pardon, donc nous allons à clôturer le webinaire. Avant de clôturer, je veux attirer votre attention sur un sommet organisé par l'USAID qui arrive bientôt. C'est un sommet de capitalisation des expériences sur les agents de santé communautaire. Et ça sera axé sur l'appui aux agents de santé communautaire et comment améliorer non seulement leur expérience, mais leur efficacité. Ça sera entre le printemps et l'été 2012, donc d'ici quelques mois. Et ça s'axera sur quatre questions sur les interventions à base communautaire et au niveau systémique. Donc, en regardant ce lien que Djenéba vient de décrire entre l'État et les communautés, et ça produira, ma bouche est fade maintenant, une publication. Bon, je vois que Beverly est en train d'écrire, peut-être si elle veut dire quelques mots avant qu'on passe aux prochaines étapes qui ne sont que les derniers diapos. Beverly, tu aimerais dire quelque chose pour clôturer? Non, simplement, merci beaucoup à tous. C'était une très riche expérience et je souhaite que ça va nous aider à bien améliorer nos programmes et nos aides aux enfants vulnérables dans tout le monde. Merci beaucoup, Marc, à tout le monde et merci à tout le monde pour votre participation. Merci. Merci beaucoup, Beverly. Et voici les prochaines étapes tout court. La version enregistrée de ce webinaire et les présentations PowerPoint seront bientôt disponibles sur deux sites web, www.ovcsupport.net et childprotectionforum.org. Pour devenir membre de ces deux réseaux, pour le Social Welfare Workforce
Strengthening Task Force, vous pouvez envoyer un message à www.webinars.capacitor.org ou bien pour le Community Child Protection Forum, Exchange Forum, c'est moi-même et c'est m.canavera@savethechildren.org.uk. Et nous organisons régulièrement des webinaires. Et le prochain webinaire du SWWS sera le rôle de la gestion des cas et de la supervision des cas au sein de l'effectif de la main-d'œuvre des services sociaux, donc au sein des travailleurs sociaux, en fait. Et chez nous, au Community Child Protection Exchange Forum, ça sera un aperçu des diverses formes de mobilisation communautaire pour la protection de l'enfant. Donc, avec cela, je vous laisse, je vous souhaite un bon après-midi ou une bonne soirée et je vous remercie tous pour votre présence. Et si vous voulez entrer en contact avec un des présentateurs, vous pouvez m'envoyer le message et je le balancerai. Donc, mon email est là. Donc, pour quitter, je crois que vous fermez la fenêtre tout court et puis ça clôture le webinaire. Merci à tous nos présentateurs, merci à tous les participants pour la riche discussion et bonne continuation. Bye bye. Et un tout dernier mot, que nous allons vraiment faire un effort à faire encore des webinaires en français. Et nous allons beaucoup compter sur d'autres pays aussi, comme le Niger et le Cameroun, qui se sont présentés aujourd'hui pour partager encore des expériences à travers le monde francophone aussi. Merci. C'est le dernier mot.